Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, puisque vous avez eu l'amabilité de retourner ce disque, voici la deuxième chansonnette qui date de la même époque, c'est-à-dire des premiers mois de notre siècle. Elle est intitulée « L'Anglais entêté », paroles de Garnier et Philippe, musique de Lorrain. L'autre soir, j'étais à l'opéra, en smoking de grand apparat, j'écoutais avec ravissement le music et le chantement. Lorsqu'un petit monsieur arrive d'un air bonasse et trouve à ma côté un chapeau à son place. Mais lorsqu'il me dit, ôtez votre chapeau, j'ai payé 15 francs et c'est pas pour la peau. Si vous ne l'ôtez pas, je fais du branle-bas. Non, que je réponds, je ne l'ôterai pas. Il s'en va chercher le huissier et dit à lui d'un ton grossier, cet anglais pas trop sans façon, avant que j'arrive à poser son gibus sur ma fauteuil, dites-lui qu'il le retire. L'huissier s'approche de moi et se mettant à sourire. Mais lors qu'il me dit, ôtez votre chapeau, les fauteuils y sont pas faits pour la peau. Monsieur veut s'asseoir, ôtez-le sans fracas. Non, que je réponds, je ne l'ôterai pas. Arrive un garde municipal et le contrôleur principal. Trois ouvreuses arrivent au galop, traitant de goujettes sous l'eau. Un gardien de la paix, il part en émissaire. Bref, je vois arriver Master le commissaire. Mais lors qu'il me dit, ôtez votre chapeau, sinon je vous fais conduire au dépôt. Non, je l'ôterai pas, lui dis-je sans émoi, parce que cet chapeau, il n'était pas à moi. Sortant la casquette que voilà, j'ai dit mon coiffeur, c'est celle-là. L'huissier partait vivement, tout le monde y tombe dans l'épatement. Le commissaire s'écrie, le diable, pas de fiole, je crois que c'est anglais, il se fiche de mon fiole. Mais lors qu'il me dit, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que cet chapeau, il n'était pas à vous. Moi je lui réponds, sans être épaté, c'est parce que vous ne me l'avez pas demandé.